Calan. Bon, et c'est pendant l'entrée, effectivement, l'Antine prend plus fort goal. L'Antine prend en fait 3 goals non, pendant c'est l'école de balle là. Et ben, c'est pas imputable directement à Marcos Rojo, Souvelet et Vaval. Mais quoi que l'équipe là, t'es collectivement, défensivement effondré. Vous sentez que vous traversez la ligne trop facile, sous compte français. Yo, et ça va où, ça va où. Pendant que match là, je dis ça, la France fait goal 3-2. Je dis que c'est une blague parce que vous pas senti vraiment une compacité. Et l'équipe là, ça a toujours été son point faible pendant la Coupe du Monde. Ça, ils ont encaissé en veux-tu, en voilà un peu. Donc, vraiment, là, nous triste déjà élimination. Gagné des images à travers Unité Mobile Noyo. Image de la place Boyer. Les rues de la capitale, voilà quelques Brésiliens qui ont célébré la qualification de la France. Ouais, quelques fanatiques brésiliens. On se rappelle, il y a quelques années, la France qui était privée Brésil de la Coupe du Monde en 98. Et en 2002, également, élimination en quart de finale. Les Brésiliens, ils ont même qui retrouvé aux Français ce matin. C'est assez intéressant. Bon. Oui, et puis bon, sur le match, Kimberly, l'Argentine... en première période, pas de bon. On pile dans jouer l'Argentine offensivement, que ce soit Di Maria, que ce soit Enzo Pérez, que ce soit Pavon qui lui-même traversait tout match là et m'a dit négatif parce que le patate jouait bien. Et tout joueur ça, pas de bien passé. Et dans un contexte, en première période, l'Argentine, et malgré ça, t'es quand même font goal par Angel Di Maria. C'était 1-1 à la pause. À la pause. Et, mais nous sentis que dans le jeu, c'est ton équipe qui était en difficulté. L'Argentine. Oui, non, jouait là. Et l'Argentine, pas de bon du tout. Et la France qui. Fait un marquage très bas sous porteur du ballon argentin. C'est ça qui fait on croit que la France automatiquement récupère le ballon en milieu de terrain avec Paul Pogba et N'Golo Kanté. Il était très dangereux surtout dans la contre-attaque. Donc la France aujourd'hui en vient jouer jouetli et il gagne jouetli côté que il impose une bataille physique dans le milieu de terrain. Il gagne pratiquement toute bataille milieu de terrain. Il gagne duel aérien autour. Il monte Fazio pour contrer un monsieur comme Olivier Giroud qui marquait déjà 31 goals dans la sélection française là. Et Fazio pas porter gros bagage pour la sélection argentine là. Et puis gagne l'autre aspect qui est important, c'est le cas de Lionel Messi. Nous en pile l'accent sur l'Argentine, nous te dit pour l'Argentine passé, les pral dépend en pile de performance yon avec Lionel Messi pral bail dans 8e de finale ça. Messi pratiquement passé à côté de match football là, il passé pratiquement à côté et de compétition en même parce que quand même Lionel Messi c'est un seul goal li marqué pour l'Argentine dans mondial ça et Lionel Messi pas jamais marqué goal à partir de 8e de finale pour sélection argentine là. Donc c'est 4 coupes du monde, 0 goal dans phase importante pour sélection argentine là. C'est ça qui fait pays l'Argentine, nous prenons le temps pile critique. Pour que ça, parce que l'homme monte avec Diego Maradona en 86, c'est quand même 4 goals qui étaient inscrits dans la phase importante là. Nous songeons 2 goals contre la Belgique, nous songeons 2 goals contre l'Angleterre. Donc, je dis là, prenons le temps pile critique pour Messi et génération 87 dans tout. L'homme monte avec Aguero, ou prend Higuain, ou prend Lionel Messi, génération 87 ça, il est pratiquement effondré côté Monsieur Sayo, par jambes potées, une bagaille concrète pour sélection Albi Celestia. Mais on ne peut pas crucifier Messi en fonction de Coupe du Monde là, mais c'est toute l'équipe d'Argentine qui peut te répondre. Certes, Messi, tout le monde compte valeur lui à travers le monde là, mais on nous prend l'équipe sur les 4 matchs disputés, de la façon que l'Argentine encaisse des buts et production joue cette équipe d'Argentine là. C'est équipe là, c'est tout le système, y compris l'entraîneur, parce que l'orgade là contre la France pas joué un grand match, mais l'Argentine perdu à partir des espaces que l'I cédait à l'équipe de France, que exploitait sur des comptes pratiquement meurtrières. Et maintenant, on nous prend Messi, qui monte qui était secondé. Là, on nous prend Di Maria, certes, il a marqué un but. Et puis l'autre, il s'agit de Pavon, que moi-même personnellement, je me suis pensé en fonction de avant-goût que le débat et le rentré contre Islande, il était capable d'apporter un petit quelque chose. Le titulaire, il n'a rien apporté. Higuain est resté sur le banc. Il y a l'autre joueur. Aguero fait goal là lui-même. Aguero fait goal là, mais encore, si on passe de Messi qui balle en fin de match, mais qui était déjà trop tard. Mais là, on prend une équipe argentine qui t'a joué pareil avec un Javier Mascherano, plus de 30 ans, comme véritable sentinelle et en même temps dépositaire du jeu argentin. Pour moi-même, c'était déjà pratiquement mission quasiment impossible. Certes, motivation ou encore la grinta argentine pas capable de battre le match contre les Français. C'est sacré l'eau, l'Argentine pas de bon et l'Argentine effondré contre les Français. Bon, maintenant on a parlé de l'Argentine, mais il y a une équipe qui passait, qui a continué. Et c'est la France qui gagne un match là, Berman. Tout à fait. Et j'aime bien penser, Fondry était sous lit. Et c'est vrai, Vaval dit la France n'a pas joué un grand match, mais défensivement, et si vous voulez, il était très bon, Lucas Hernandez très défensif. C'est seul lui même si vous voulez. Bon. Qui dans latéral qui montait en pile fois ouais. Mais gagner tout monter de Pavard là pour le monter à vraiment ouais, c'est non monter il fait goal ce sous corner là qui fait il fait goal ça super goal ça pour la France vraiment match bien géré
et souvle, on va qui bien calculé par Didier Deschamps, très défensif, tout le monde a défendu, et puis les sorti ballon, il sorti avec vitesse, on a dit ça et Kimberly en début de match, les sorti avec vitesse Mbappé, et bien il joue une brute défense, équipe argentine ça, qui est vraiment très faible, et c'est un débâcle en 11 minutes, 3 goals. Oui, nous t'ai dit ça, et 11 minutes effectivement, de la 57e à la 68e, l'Argentine coulait et prend 3 goals qui mettait le dehors dans le match ça, que le perdu finalement 4-3. Donc voilà, l'Argentine éliminée, la France au rendez-vous des quarts de finale. La France n'a pas avancé malgré toute critique dans le premier tour. Là. Nous, on prend congé de ou momentanément, on a retourné tout à l'heure, dans environ une heure de temps, pour faire prévision sur deuxième, huitième de finale, là, qui pourrait mettre l'équipe Uruguaya face à Portugal et Napquito avec image de fête fanatique brésilio sous Place Boyer, qui mélangeait avec déception fanatique l'Argentino, qui peut-être déjà quitté les lieux depuis match fini. Hein. Voilà, bonsoir à tous et à tout à l'heure. Brésil a gagné tout. Et nous bien aimé le game, de bien aimé l'Argentine gagné tout. Je ne sais pas ce qui fout moi-même. Qu'est-ce que ça gagne? Lundi, le Brésil a battu dans la bataille. Comment on voit le match Brésil là face à Mexique? Nous connaissons qui n'est pas un client facile. Je ne sais pas ce qui fout. Je ne sais pas ce qui fout. Sauf que moi, je prétends une victoire de Brésil. Roman, je prétends une victoire. Roman, mais Jazz là, il fait des rapports pour moi là. Que moi, je prétends Brésil pour une victoire. Mais moi, nous content. Moi, nous content. Il y a une victoire de l'Argentine qu'on y a. L'étape fait bonheur en compétition. Donc, moi, nous content. L'Argentine éliminé. Au voisin, tout le monde est là pour la compétition. Moi, j'ai tout ça déjà. Moi, pas content parce que Argentine perdit. Parce que pour moi-même, c'est deux équipes qui n'ont Coupe du Monde là. Argentine, Brésil. Depuis Argentine perdit, là, moi, je suis pas content. Je ne suis pas contre Argentine, je ne suis pas content. Sauf des biens, mais pour Argentine gagner, pour Brésil gagner, et puis pour rencontrer, c'est laisse à nous d'abord à l'ouest, ça et les fanatiques là. Mais fanatiques sont contents. Fanatiques sont là, c'est pas fanatique brésilien, c'est pas la fanatique de la France. C'est fanatique brésilien qui est content que l'Argentine perdu. Mais moi, je suis pas content que l'Argentine ait perdu. Je ne veux pas l'Argentine gagner. Bon. Ça fait mal. Entendez. Ça fait mal. Quand Messi va regarder Neymar, Cristiano va faire bon bagage. Oui, je vais regarder, on va le crier. Messi a vie. Cristiano a vie. Neymar a vie. Voilà, amis téléspectateurs, c'est comme ça, ça y est, dans le niveau placé, Boyer, zone Pétionville. Donc, défaite Argentine, et un bagage qui est un peu paradoxal, qui plutôt fait affaire, et fanatique brésilien, qui a payé les jeux là. Donc, il y a eu plusieurs centaines là, qui tapé assisté avec le match là, sous Andy et grand écran. Yo. Donc là, nous allons continuer, fournir. J'ai regardé pour nous comment nous sommes capables de retrouver un fanatique qui Argentine, ou bien plusieurs pour nous capables de garder réaction par rapport ensemble avec les matchs là. Donc les amis ça qui dit les papes parler, nous capables de comprendre ça. Donc en pile les déceptions. En pile les déceptions, bon côté fanatique argentino. Et qui après 2-1 que vous tapé mené dans le match là, vous avez espéré quand même une victoire dans le match là. Oui, mais c'est un fanatique argentinien. Oh, rouge, un fanatique argentin rouge. Moi-même là, moi, il y a mené 1-0 sous moi, tête frette. Comprenez? Ma converti, monsieur. Yo, yo. Brésil rouge. J'ai mené 1-0 sous même tête frette. Je vais me légaliser, ma battre. Comprenez? Légaliser, les filles légalisées qui m'ont mené. Ma brego avec moi, tout nek ça honnête. Bon, ça veut dire non, si c'est nek, c'est seulement qui est Argentine. Comment comprendre défaite équipe ça? Qui ça fait équipe la perdu d'après vous même? Non, ça fait équipe la perdu. Bon, la France est grand monde sous lui. Il bat moi, mais bon, j'espère même d'abattre la France 2-1. Comment tu vas Messi dans le match là? Messi, grand monde est grand monde. Même si elle dit Messi bat là, Messi t'es là, moi-même. Messi original joué, il a toujours été original pour moi. Qui ça est voisin lui-même la patrie dans la bataille lundi contre le Mexique? Voisin a patrie dans la bataille lundi contre le Mexique, donc vous-même qui ça espère voler? Bon, voisin, je ne vais pas mentir. T'allais avec moi, moi je suis tout tête autour. Moi, je suis capable d'investir dedans. On va le consacrer. Donc voilà, nous sommes capables de comprendre ça, amis téléspectateurs, et on dit opposition qui a perdu aussi dans le fanatique et l'euphorie qui a pu prolonger. Nous avons un fanatique argentin ensemble avec nous. Dis-nous, qui ça d'après vous-même qui fait que l'équipe argentine n'a pas.
ratifier à samedi là c'est gardien plus perdu lui donc il y a plein de monde qui croit que c'est entraîneur qui fait bon choix ou même mais vous pensez que c'est gardien et pas entraîneur non et pas entraîneur c'est faute gardien. Est-ce que vous pensez Messi te répondre dans le match ça? Bon, Messi fait tout ça le café avec Di Maria. Et pas faute Messi, et pas faute Di Maria. Donc, voisin là-bas, entrer dans la bataille dimanche dans le deuxième trou ça, contre le Mexique, qui sont souhaités pour lui? Bon, moi je souhaite pour voisin gagner le match ça. Je ne souhaite pas pour le perdre le match ça. Donc, vous n'avez pas même un fanatique brésilien? Non, je n'ai même pas un fanatique brésilien. Qui joue où reste compétition ça? Parce que y a une compétition qui déjà sent l'Argentine. Comment on reste suite compétition ça? Bon, grand peu monde là qui chauffe, grand peu monde là qui moins chauffe. Ou d'accord? Parce que grand bon perdu et grand bon qui a souri. Ou d'accord? Ou pas de parier? Bon, pas de parier. Parce qu'on est boss mais c'est fanatique Argentine qui c'est caco. Mais c'est pas là. On d'accord? Qui organise sa place pour le peuple là. On d'accord? Merci. Merci pour participation. Voilà. Amis téléspectateurs, c'est comme ça y est, dans le niveau et place Boyer. Donc, en pile fanatique argentino gagné et en pile les tristesse. Donc, yo croit que c'est gagné qui dit c'est entraîneur qui partait à la hauteur. Gagné tout qui croit c'est fanatique gagne tout qui croit que c'est gardien qui perdu équipe en équipe argentine là. Voilà, c'est comme ça y est Télé Pacifique et championnat là joué en Russie mais entre les fans du Brésil et de l'Argentine on connaît fièvre là li a augmenté de jour en jour dans le pays d'Haïti. Donc Télé Pacifique nous-mêmes nous toujours là pour nous permettre ouais comment ça y est. Jeudi à c'est l'Argentine qui allait lundi le Brésil là pas entré dans bataille contre le Mexique et bien nous-mêmes n'a toujours là pour nous permettre tout et suivre comment ça y est non seulement en Russie mais tout dans mi-temps fanatique. C'était Mario Sylvain avec Jean-Philippe avec support et toute équipe technique Télé Pacifique là n'a pas au rendez-vous pour une prochaine sortie pour compétition ça.